préparé pour nous annoncer sa parole ce soir. Et quand il va passer, j'aimerais bien que tu manifestes cette joie. C'est pour cela, s'il y a un seul mot que je dois te dire aujourd'hui, je te dirai que l'Esprit de l'Éternel est ta force. Je ne sais pas si tu as compris. Je te dirai, l'Esprit de l'Éternel est ta force. Grâce à l'Esprit de Dieu, des gens peuvent chercher ta force, à identifier ta force. Mais toi, l'Esprit de l'Éternel est ta force. Comprenez cela. La Bible dit que Samson était un homme fort. Mais son secret reposait quelque part dans son corps. Mais toi, on peut couper tes cheveux, l'Esprit de Dieu sera là. Tu peux manquer des amis, l'Esprit de Dieu sera là. Tu peux être en famine, l'Esprit de Dieu sera là. On peut t'exciter, l'Esprit de Dieu sera là. On peut t'enlever dans certaines choses, mais l'Esprit de Dieu sera avec toi. Ta force, c'est l'Esprit de l'Éternel. Parce que Samson, lorsqu'on a coupé ses cheveux, il était plus fort. N'importe qui pouvait vaincre Samson. Mais je te dis, peuple de Dieu, tu ne seras pas vaincu lorsque l'Esprit de Dieu opère. C'est pour cela que Jésus a dit à ses disciples, il faut que je m'en aille. Lorsqu'il viendra, c'est à ce moment que vous serez mes témoins. Tu es un grand témoin de Dieu à cause du Saint-Esprit. Tu dois témoigner de la grandeur de Dieu à cause du Saint-Esprit. Le sorcier ne pourra pas te vaincre parce que le Saint-Esprit est là. Lorsque le Saint-Esprit opère, des choses impossibles deviennent possibles. Lorsque le Saint-Esprit agit, des déclarations humaines échouent. Parce que des projets de l'Éternel se réalisent dans votre vie. Parce que ta force, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Peuple de Dieu, si tu veux être un homme ou une femme très puissant, tu as besoin des grands secrets. Vous allez se rendre compte pour mieux comprendre. Lorsque Jésus-Christ était avec ses disciples, il les a prêchés pendant 3 ans. Mais 3 ans de formation, c'était suffisant. Partez, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Mais non, ce n'était pas le moment. Il dit, malgré la parole, malgré l'ordre suprême, à le fait de toutes les nations disciples, il manque quelque chose. Ce que tu as, l'être humain ne peut pas voir cela. Ce que tu as de précieux, les hommes riches ne peuvent pas voir ça. Des militaires ne peuvent pas voir ça. Ton mari ne peut pas voir ça. Ta femme ne peut pas voir ça. Tes ennemis ne peuvent pas voir ça. Parce que tu as Dieu avec toi. La Bible me dit que Dieu est esprit. Alléluia. J'ai dit ces choses. Parce que si tu comprends cela, tu seras tout le temps en force. Parce que ta force n'est pas visible, mais c'est invisible. On peut te couper jusqu'à mais des gens sentent que tu es toujours en forme. Parce que le Saint-Esprit opère toujours. Le Saint-Esprit agit toujours. Quand les autres sont en train de dire que tu vas reculer, ils te verront en train d'avancer toujours. Quand ils disent que tu vas te limiter ici, ils te verront encore progresser. Quand ils te voient que ça va s'arrêter ici, or il y a un autre commencement qui commence après cela. Je suis venu dire à quelqu'un, l'histoire que les gens voient aujourd'hui, de grandes histoires vont se produire après ce que l'Éternel a prévu à cause du Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. C'est pour cela aujourd'hui, je t'ai amené un bon message. Dieu m'a donné, je vais transmettre cela fidèlement. La résurrection des corps spirituels. Alléluia. Parce que lorsque je parle du Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne peut pas se pourvoir ou rester dans n'importe quel corps. Alléluia. L'Esprit de Dieu est là. Et je vous ai expliqué l'autre jour, dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit était seulement destiné à certaines personnes. Aux rois, aux juges, aux prophètes. Tout le monde ne pouvait pas avoir le Saint-Esprit.
Mais je t'amène la résurrection des corps spirituels. Pourquoi? Parce que la Bible me dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur tout le corps. Les chaînes auront des songes. Des filles vont prophétiser. Cela ne va pas arriver par rapport à leur force. Non pas par rapport à leur personne. Parce que le Saint-Esprit va agir dans les derniers jours. Or, pour que le Saint-Esprit soit dans la vie d'une personne, il faut qu'il y ait la résurrection du corps spirituel. L'homme est composé de corps, âme et esprit. Or, vous avez appris ici, s'il y a quelque chose que l'homme avait perdu dès le commencement lorsqu'il avait péché, ce n'était pas seulement son corps, parce que son corps a été condamné à la mort. Le plus précieux que l'homme avait perdu au moment qu'il avait péché, c'était l'esprit. Parce que l'esprit permet à l'homme de communiquer avec son créateur. Si vous aimez la parole, regardez Adam avant le péché. Il communiquait en toute facilité avec Dieu. Alléluia. Mais lorsque Dieu lui a posé la question, où est-il? C'est-à-dire, l'homme s'est déconnecté de Dieu. L'Esprit de Dieu t'aide à être en bonne relation et en bonne communication avec Dieu. Lorsque je parle de l'homme, si je parle de la résurrection du corps spirituel, cela veut dire quoi? Vous pouvez avoir un téléphone. Soyez avec moi, alléluia. Vous avez un téléphone qui n'a pas de SIM. C'est un téléphone. Comme tout autre téléphone, ça peut être neuf dans des cartons, mais il n'y a pas de SIM. Ça peut appeler quelqu'un. Alléluia. C'est la même aussi, même le corps de l'homme. L'homme, les choses les plus précieuses qu'il avait perdues, c'est-à-dire, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit que Dieu a mis dans l'homme. Alléluia. La parole de Dieu dans Jacques. Jacques chapitre. Jacques chapitre 2, verset 19. Je lis au nom de Jésus-Christ. Jacques chapitre 2, verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu le fais bien. Les démons croient aussi et ils tremblent. Alléluia. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu le fais bien. Mais comprenez que les démons aussi croient, non seulement et ils croient, mais et ils tremblent. Alléluia. Si nous lisons cette lecture, pour mieux comprendre la résurrection de l'homme spirituel, parce que des gens s'arrêtent à un certain niveau en disant que je sais et je crois que Dieu existe. Cela est bon pour moi. Cela est suffisant pour moi. Dieu est là. Dieu existe. Je sais que Dieu est là. Mais la Bible dit, tu le fais bien. C'est une bonne chose. Mais n'oublie jamais. Il n'y a pas seulement que toi qui crois à ce niveau-là. Les démons aussi croient. Mais et plutôt, il tremble. Toi, tu crois seulement, mais tu ne trembles pas. Mais les démons, quand ils croient que Dieu existe, ils sont en train de trembler par rapport à l'existence de Dieu. Cela veut dire, l'existence de Dieu, un jour, les portes de l'enfer seront ouvertes pour les démons. Les démons, l'existence de Dieu, un jour, Dieu va mettre fin à toute reine des esprits impurs. Ils tremblent. Cela veut dire, pour la résurrection de l'homme spirituel, cela veut dire, le fait de croire, ce n'est pas suffisant pour quelqu'un qui veut aller loin avec Dieu. Parce que les démons qui croient et ils tremblent, ils sont appelés à être en enfer. Des démons qui croient et ils tremblent, ils sont appelés de ne pas profiter de la royaume de Dieu, de la paix éternelle. Alléluia. Celui qui veut recevoir la résurrection spirituelle doit comprendre
Le fait de croire, ce n'est pas suffisant. Pour avoir une bonne relation avec Dieu, je dois aller au-delà de croire. Alléluia. Et pour mieux comprendre la résurrection, la Bible nous apprend dans Genèse chapitre 2, verset 7. La Bible déclare, lorsque Dieu a formé l'homme, il a pris la poussière. Il a formé, il a créé une forme. Et puis Dieu a soufflé sur cette poussière. Et la Bible dit, cela est devenu un être vivant. Alléluia. Cela veut dire, dans l'homme, l'homme a la présence de Dieu en lui. Vous allez voir, lorsque Dieu a créé toutes les choses, aucun objet n'a pu recevoir le souffle. Oh, le souffle, c'est la vie. Celui qui ne respire pas n'est pas là, n'a pas la vie. Mais celui qui peut respirer encore, même si ton cœur bat, si tu ne respires plus, ça ne te restera pas encore beaucoup de temps de vivre. Il a soufflé le souffle de vie. Peuple de Dieu, si quelqu'un veut retrouver la vie, il doit savoir que je suis un homme. J'ai perdu quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Écoutez-moi bien, peuple de Dieu. Quelqu'un qui perd un centime, il ne va pas s'attarder à chercher parce qu'il sait que ça n'a pas de valeur. Mais lorsque tu perds 100 euros, tu vas chercher parce que tu sais que ça va te servir à beaucoup de choses. La résurrection et comprendre l'intérêt de Dieu, augmenter, dépasser l'étape de croire, faut d'abord avoir l'intérêt de savoir que j'avais quelque chose, que j'avais perdu à moi, que je dois retrouver cela. Cela veut dire, si les démons croient et ils tremblent, moi je dois dépasser les démons. Je dois avoir la foi en Dieu. Je dois croire en Dieu. Lorsque nous parlons de la résurrection, la mort peut avoir plusieurs formes. Alléluia. La Bible m'apprend que la foi sans les œuvres, c'est une foi. La mort peut avoir beaucoup de formes. La mort peut être spirituelle. Parce que lorsque nous voyons des hommes, il y a plusieurs catégories des hommes. Un homme spirituel n'est pas identique à un homme charnel. Un homme animal est différent. C'est pour cela que la Bible nous enseigne que le fait seulement de croire n'est pas suffisant. Tu peux dire que Dieu existe, tu peux déclarer que Dieu est assis, mais si tu vas pas loin, mais la Bible te dit que les démons aussi croient et ils tremblent. Comment voulez-vous? Vous êtes avec Dieu. Nous sommes avec Dieu. Notre croyance est limitée sans pourtant penser à la résurrection. La première résurrection, ce n'est pas la résurrection des morts. C'est lorsque l'homme retrouve encore cet esprit qui fait en sorte de prendre conscience que mon Créateur agit et règne. La présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit en toi t'amène à faire savoir que j'ai un Créateur. Un homme animal, un animal n'a pas besoin de savoir si je suis créé ou pas. Un homme charnel, tout ce qui l'intéresse, c'est son corps, le plaisir de ce monde. Il peut connaître Dieu, mais il veut satisfaire son corps. Or, lorsque nous parlons de la résurrection, d'abord, ce qui a été condamné sévèrement, c'était notre corps. Parce que Dieu a dit, pour notre corps, de la poussière à la poussière. Alléluia. Lisons la parole de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14 à 16, je lis la parole du Seigneur. Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre parce que c'est spirituellement qu'on agit.
L'homme dirigé par l'esprit, au contraire, juge de tout et ne lui-même même jugé par personne. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur et pourrait l'instruire? Alléluia. 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 Et la Bible nous apprend qu'un homme animal, des choses de Dieu sont comme une folie. Cela veut dire, vous savez, il y a certains gens, quand vous le dites, ça peut t'aider à identifier un homme animal. Quand il lui dit, j'y vais prier, il dit, ça c'est de n'importe quoi. Pourquoi vous allez prendre le temps de prier, de demander à Dieu? Ça démontre déjà un homme animal. Or, un homme spirituel a besoin de l'instruction pour croître, pour savoir que je dois seulement, pas seulement croire en Dieu et s'arrêter là. Je dois avoir aussi la foi en Dieu. Je dois non seulement avoir la foi en Dieu, mais je dois aussi espérer, après la mort viendra le jugement. Non seulement ça, je dois savoir que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Et Jésus-Christ est venu me sauver pour que j'aie la vie éternelle. Alléluia. L'attitude d'un homme spirituel, ça se voit parce qu'il cherche l'instruction. Mais un homme charnel n'a pas besoin de l'instruction. C'est pour cela, j'ai prié ici au départ en disant, il envoya la parole et la parole nous a guéris. La parole apporte la guérison. Si tu n'es pas guéri, tu vas rester à croire sans pourtant savoir que les démons aussi croient. Or par contre, pour les démons, il n'ira en enfer. Mais pour toi, enfant de Dieu, tu es appelé pour la vie éternelle. Pour toi, enfant de Dieu, tu es appelé à vivre et à vivre la résurrection spirituelle, la résurrection des corps spirituels. Parce qu'en toi, tu dois savoir que je porte un corps qui est très important. Alléluia. Pour un homme charnel ou un homme animal, le plus important, c'est son corps. Mais un homme spirituel, le plus important, ce n'est pas son corps, mais c'est la contenu qui est dans ce corps. Peuple de Dieu, dans l'église de Dieu, si on comprend que nous sommes des hommes spirituels, on doit protéger la contenu que Dieu a mis en nous. On doit pas seulement s'arrêter à croire. On doit chercher l'éternel. On doit respecter. Il a dit, tous les jours, vous pouvez tout faire, mais le dimanche, c'est mon jour. Je vous donne tout ce que vous voulez. Dieu ne nous a pas mis de limites, mais il nous a demandé aussi de l'adorer. Si tu ne connais pas l'importance de cela, des gens vont vous dire que le dimanche c'est pour se reposer. Peuple de Dieu, laisse-moi te dire, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour se reposer, il y a aussi un temps d'adoration. Si tu es ici, parce que tu cherches la résurrection commence d'abord par rapport à votre corps spirituel. Un jour, je vous ai enseigné le fait d'avoir la vie éternelle. Nous n'aurons pas la vie éternelle à la fin, mais nous avons déjà la vie éternelle. Lorsque l'Esprit de Dieu entre dans ta vie, c'est pour t'accorder, c'est pour te prouver que tu as la vie éternelle, que ton corps a déjà repris la vie. Alléluia. Vous allez voir que la Bible déclare que tout passera, mais la parole ne passera jamais. Tout va passer, mais la parole ne va pas jamais passer. Comprenez, si Dieu a dit ainsi pour faire savoir à l'homme, fais tout ce que tu veux sur la terre, mais sache, tout va passer. Alléluia. Celui qui aime Dieu doit chercher la résurrection de sa vie spirituelle. Doit rechercher la résurrection de son corps. Parce que lorsque l'homme avait perdu, l'homme était déconnecté de Dieu. Le fait de venir chercher Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, la prière, ta prière, t'amène à la connexion avec l'Éternel. Alléluia. Tu peux crier Dieu, il y a des fois tu es dans autre réseau et Dieu n'a pas dans cet réseau. Tu peux crier Dieu, il y a des fois tu n'as même pas de carte SIM, mais tu es en train d'appeler Dieu. Mais il faut avoir l'assurance. Quand j'appelle Dieu, il va agir. Quand j'appelle l'Éternel, il va me répondre. Je sais que mon secours viendra de l'Éternel. C'est pour cela que David disait, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Il a fini par comprendre que le secours ne viendra que de l'Éternel, celui qui a créé le ciel et la terre. Amen.
La résurrection commence par l'intérêt. Si tu n'as pas l'intérêt, tu diras, j'ai une ficelle dans mes oreilles, ça sera ma protection. Mais celui qui connaît que pour ma vie, pour ma résurrection, pour s'en sortir, pour évoluer, il n'y a que l'Éternel, il n'y a que Yahvé qui peut me conduire. Il dira, jamais dans ma vie, je serai un homme animal. Lorsque un animal fait des choses, je sais peut-être tu as rencontré ce genre de personnes. Quand tu le fais les choses, tu le regardes, c'est exactement comme un animal. Mais un homme spirituel, sa conscience peut lui rapprocher de quelque chose. Le Saint-Esprit peut lui dire, tu ne peux pas faire ça parce que je suis en toi. La Bible me dit que Dieu est esprit. La résurrection du corps s'opère lorsque Dieu, la présence de Dieu est sur toi. La résurrection, parce que Dieu a déjà pris une résolution de ne plus habiter par des maisons construites par les hommes. Alléluia. Amen. Un homme charnel n'a pas besoin que Dieu habite là. Il va rester seulement que je reconnais que Dieu existe. Mais celui qui veut la résurrection spirituelle, il doit chercher que Dieu soit en moi. Que l'Éternel habite en moi. La présence de Dieu peut te faire chanter comme Myriam. La présence de Dieu peut te faire chanter comme David. La présence de Dieu en toi peut changer le cours de votre vie. La présence de Dieu en toi peut restaurer beaucoup de choses que l'ennemi a détruites. C'est-à-dire la résurrection fait en sorte ce qui était mort en toi, charnellement, dans la sorcellerie, dans la magie, dans la pauvreté, dans tous les liens familiaux. Lorsque Dieu vient dans ta vie, il donne une nouvelle vie. De nouvelles choses commencent. La résurrection, lorsque quelqu'un était mort, lorsque la vie reprend, en Dieu, il est plus fort. La foi de Dieu, on a appris, il court, il ne se fatigue pas, il n'abandonne jamais, il monte encore plus haut, il cherche encore l'Éternel. Si les démons croient, c'est leur problème. Mais moi, je sais, c'est Dieu-là qu'il croit, il habite en moi. La vie que j'ai, ce n'est plus la vie que j'avais avant. Si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus lui-même qui vit en moi. Le fait de croire ne sera pas suffisant pour changer les choses dans votre vie. Croire, c'est une bonne chose. Mais il faut dépasser les démons. Parce que toi, tu es appelé pour la vie éternelle. Toi, tu es appelé pour de grandes choses. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, étant donné que la résurrection est entrée chez toi, que de nouvelles choses de Dieu commencent. Amen. Étant donné que dans cette église, la résurrection est entrée, que de nouvelles choses commencent. Il est ressuscité, non pas pour lui. La Bible dit, il sera, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Il est toujours là. Que la résurrection détruise toutes sortes de morts déclarées par l'ennemi. C'est pour cela que j'ai parlé de corps spirituel. Peuple de Dieu, quelqu'un peut mourir avec ses corps charnels, mais son esprit ne mourra jamais. Son esprit ne mourra jamais parce que la vie éternelle est déjà là. Lorsque la vie éternelle est semée dans la vie de quelqu'un, la Bible dit, et quiconque vit et croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Amen. Alléluia. Amen. Oh, l'homme charnel et l'homme animal voit que son corps. Et si je meurs aujourd'hui, je dis, peu importe que ce soit des choses de ce monde, peu importe la mort. C'est pour cela que quelqu'un disait, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Rien aussi ne pousse te séparer de l'amour de Dieu. Parce que ton corps que tu as, ce que des gens voient, ce que tu prends soin de ça, ce n'est pas ce que l'Éternel veut que tu prennes soin. Dieu veut que tu prennes soin de ton corps spirituel. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Donnez-moi une enveloppe avec un bon courrier que j'attends. Même si il y a l'argent dedans. Qu'est-ce que première chose que je vais faire, c'est quoi? Alléluia. Lorsque tu attends quelque chose de valeur dans un courrier, tu es dans la joie quand tu reçois le courrier. Mais il y a l'opération que tu vas faire après. Ça va détruire l'importance de ce courrier. C'est-à-dire tu vas récupérer ce qui est nécessaire, la contenir. Tu prends l'argent, tu jettes l'enveloppe. C'est la même chose avec notre corps. Ce qui est le plus important, c'est ce que Dieu a mis en toi.
Je dis à quelqu'un aujourd'hui, en toi, Dieu a semé la vie. En toi, Dieu a semé de grandes choses. Dieu est venu sauver ce qu'il a mis en toi. Alléluia. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 1er au 3e verset. 1 Corinthiens, chapitre 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 1er à 3. Je lis la parole au nom du Seigneur. Pour ma part, frères et sœurs, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'esprit, mais comme à des personnes dirigées par leur nature propre, comme à des petits enfants en Jésus-Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. D'ailleurs, même maintenant, vous ne le pouvez pas, parce que vous êtes encore animé par votre nature. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas dirigé par votre nature propre et vous ne conduisez-vous pas d'une manière toute humaine? Alléluia. Là, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il disait que je peux donner la nourriture spirituelle, mais je vous donne la nourriture en quantité d'un enfant en Jésus. La nourriture de Jésus peut être solide, peut être aussi la soupe. Je vous donne ainsi parce qu'il y a des choses que vous avez parmi vous, ne démontrent pas que vous avez déjà dominé votre nature humaine. C'est pour cela que je vous donne des choses qui vont vous faciliter de bien digérer. Et je ressens en moi, même dans l'avenir, tant que vous n'avez pas enlevé certaines choses, la jalousie, la calomnie, beaucoup de choses négatives, je ne serai pas à mesure de vous donner la nourriture forte. Peuple de Dieu, on peut prier. C'est une bonne chose. Beaucoup d'enfants de Dieu, si la résurrection spirituelle n'est pas opérée dans sa vie, la parole de Dieu sera un dérangement pour sa vie. Parce que chaque fois quand tu es avec Dieu, quand Dieu te donne la nourriture solide, quand tu fais du mal, il te dira « Répands-toi. » Alléluia. Si tu es encore un enfant, quand on te dit « Abandonne la jalousie, abandonne les discutes », ça va te déranger plus que celui qui est déjà mature. Or, celui qui a connu la résurrection spirituelle accepte des choses fortes. C'est-à-dire, il y a des choses, tu peux recevoir la parole, tu trouves la joie, tu cries Amen, mais ce n'est pas la nourriture solide. Voici maintenant ma question. Quelle est l'importance de tout avoir ici-bas, de ne pas aller au ciel? Alléluia. Je vais te faire comprendre. Aujourd'hui, le peuple de Dieu pousse même des serviteurs de Dieu. Enseigne-nous la bénédiction. Enseigne-nous l'élévation, la prospérité. C'est une bonne chose. Mais Paul a dit, vous ne supporterez pas des choses solides. Celui dont la résurrection opère dans sa vie doit accepter de supporter des nourritures solides. C'est-à-dire, voici maintenant la différence. En Dieu, quand nous sommes avec Dieu, je peux avoir quelque chose aujourd'hui, je peux le perdre demain. Alléluia. On peut avoir la vie éternelle aujourd'hui, mais on peut le perdre demain. L'amour de Dieu, il va, s'il faut frapper, il va nous frapper pour qu'on puisse conserver. S'il faut nous reprocher, il va nous reprocher. Je dis au peuple de Dieu, soyez un enfant de Dieu qui accepte la nourriture solide. La nourriture solide, cela veut dire, lorsqu'il y a un ça ne va pas, Dieu viendra te dire, il y a un ça ne va pas.
Aujourd'hui, l'église cherche, parle-nous de certaines choses, sinon on ne va pas venir à l'église. L'église veut être choyée. Celui qui est ressuscité, il sait autrefois j'étais vivant, mais je suis mort et ressuscité en Jésus. Il ne doit pas perdre la parole. Peu importe la parole, même si ça fait mal, c'est pour son bien. Amen. Alléluia. Peuple de Dieu, Dieu t'appelle pour de grandes choses parce qu'il veut accomplir de nouvelles choses dans votre vie. Alléluia. Si vous êtes là, dites amen. Amen. Si nous sommes dans la joie, dites amen. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans Jacques. Jacques chapitre 2, on a lu déjà dans Jacques. Jacques chapitre 2, on revient dans Jacques, verset 26. Jacques. Je lis la parole au nom du Seigneur. En effet, de même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans œuvre est morte. Alléluia. Amen. La Bible dit, en effet, le corps sans esprit, c'est une foi, c'est un corps mort. Le même que la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. J'aimerais qu'on comprenne très bien cette lecture. De même que le corps sans esprit, c'est un corps vivant. C'est ce que dit l'Écriture. Le même que un corps sans l'esprit, c'est un corps mort. Lorsque nous parlons de la résurrection de la foi, la résurrection du corps spirituel, cela veut dire... Cet corps que Dieu considère vivant, ce n'est pas le corps qui marche, qui circule, qui s'habille, qui mange, qui boit, qui fait des fêtes. Dieu considère que tout corps sans esprit, c'est un corps mort. C'est-à-dire, si l'esprit n'est pas là, pour Dieu, c'est un corps mort. Pour nous, c'est un corps vivant. La même manière aussi, il a dit que la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Peuple de Dieu, dans ton corps, il doit avoir l'esprit pour prouver que la résurrection est là. La résurrection s'opère. Lorsque tu as l'esprit de Dieu en toi, tu dois désirer l'esprit de Dieu. Les démons croient, ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Des gens qui ne croient pas, ils vivent parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. La différence de ta croyance, parce que tu dois avoir le Saint-Esprit de Dieu. C'est pour cela que je vous ai expliqué que Jésus a enseigné ses disciples pendant 3 ans. Mais il les a dit, n'allez nulle part sans l'Esprit. Un corps revêtu du Saint-Esprit peut marcher, peut parler de la part de Dieu. C'est pour cela que la Bible déclare, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, on ne peut en aucun cas ni comprendre les choses de Dieu, ni comprendre les mystères de la parole de Dieu. Si on t'enseigne la parole sera lourde pour toi parce que l'Esprit n'est pas là. Un homme animal, la Bible nous a dit que la parole, c'est une folie. Quand on lui parle de la foi, c'est une folie. La différence, ce n'est pas seulement de croire, c'est avoir la présence du Saint-Esprit en toi. Ce n'est pas moi qui dis... C'est ce que dit l'Écriture. Un corps sans l'Esprit, c'est un corps mort. Peuple de Dieu, dans cette assemblée, dans ta vie chrétienne, tu dois chercher le Saint-Esprit de Dieu. Tu dois désirer la présence du Saint-Esprit. Parce que Dieu considère un corps sans le Saint-Esprit, c'est un corps mort. Nous parlons de la résurrection du corps spirituel. Parce que Dieu, à travers le Saint-Esprit de Dieu, pour Dieu, je ne parle pas pour les hommes, pour des hommes. Lorsque l'homme avait péché, c'est pour cela que vous allez voir, la Bible déclare, tous ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Pour Dieu, le péché enlève la vie en l'homme. Pour nous, on vit toujours. Mais pour Dieu, il nous considère comme si nous sommes déjà morts. Si l'Esprit qui a ressuscité Jésus, le corps de Jésus, il fallait qu'il subisse la mort. Si cet esprit-là habite en vous, cet esprit-là va ressusciter encore de nouveau votre corps mortel. Dieu considère, on peut avoir la vie que nous croyons la vie,
Dieu a déjà mis la limite pour cette vie que nous avons. Alléluia. Avant, l'homme pouvait vivre 900 ans. Mais Dieu a réduit cela à 150 ans. Il a encore réduit cela. Alléluia. Mais Dieu nous parle. Si cet esprit, parce que la résurrection de Jésus s'est opérée par l'Esprit de Dieu. Si cet esprit qui a donné la vie en Jésus, lorsqu'il était mort et enterré, habite en vous, cet esprit-là va vous donner aussi la vie dans votre corps mortel. C'est pour cela, Jésus a dit, et quiconque vit et croit en moi, même s'il meurt, il ne mourra jamais. Et quiconque, comprenez, vit et croit en moi, ce n'est pas seulement croit en moi, vit et croit en moi. Là maintenant, même s'il meurt, il vivra. Dieu nous parle, si cet esprit-là a donné la vie à Jésus lorsqu'il était mort, s'il habite en toi, la résurrection sera là dans votre corps mortel. Ton corps ne sera plus dominé par la mort, mais la vie sera en toi. Alléluia. La vie va dominer en toi parce que cet esprit a dominé la mort. Jésus est entré dans le tombeau, premier jour, deuxième jour, troisième jour, l'Esprit de Dieu a dominé la mort. La résurrection de le corps spirituel, s'il est en toi, la mort n'aura pas le pouvoir sur ton corps, sur ta vie. Parce que la mort, pour un homme animal, c'est une mort éternelle. Pour un homme charnel, c'est une mort éternelle. Mais pour l'homme spirituel, ce n'est qu'un passage pour une nouvelle vie. C'est pour cela que Jésus était dans la croix. Il était cloué à la croix avec des brigands. L'autre disait, sauve-nous, sauve-toi aussi. Et ça va être merveilleux. Mais la Bible m'apprend. Alléluia. La Bible m'apprend. Jésus a regardé l'autre là. Il a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Je dis, le corps peut subir la mort, mais la vie est en toi, peut amener la résurrection. La parole de la résurrection sème la vie en toi. La parole de Dieu te donne la vie. C'est pour cela que Dieu te dit, si cet esprit-là a donné la vie en Jésus, est capable aussi de donner la vie dans notre corps mortel. La résurrection de ton corps spirituel fera en sorte que la mort ne puisse pas avoir le pouvoir sur ta vie. Comme Jésus est ressuscité, toi aussi aie l'assurance. Même si je meurs aujourd'hui, demain j'aurai la vie éternelle. La vie éternelle marche avec moi. Je vis avec la vie éternelle. Parce que ce qui a fait dans la vie de cet homme qui était brigand, c'était la parole de Jésus. La même parole qu'il a reçue dans la croix, c'est la même parole que tu reçois aussi aujourd'hui. La même parole qu'il a semée dans la vie de cette personne, qui a amené cet homme au paradis, c'est la même parole qu'il sème aussi aujourd'hui. Parce que la Bible m'apprend que le salaire du péché était la mort. Cet homme-là était pécheur. Toute sa vie, il a volé. Mais la parole de Jésus a créé la résurrection là où la mort dominait. Je dis à quelqu'un aussi aujourd'hui que la parole de Dieu amène la vie dans ta vie et que la parole de Dieu amène de nouvelles choses dans ton famille, que la résurrection de Dieu amène de grandes choses. Dieu dit qu'aujourd'hui, tu seras au paradis. Je suis venu dire aussi à quelqu'un, comme tu as obéi à Dieu, de laisser ton lit, de laisser ta maison, de venir l'adorer, que cette parole prenne un feu sur ta vie, amène de nouvelles choses, que là où il y avait la mort, que la vie commence à entrer, que la vie commence à être semée, que de nouvelles choses commencent, que la restauration commence, que une vie nouvelle commence, que des portes de la mort s'ouvrent, et que tu sors, tu avances, hein, parce que tu as la résurrection. Si vous étiez de bons élèves, un jour, je vous ai appris, Jésus n'était pas venu sauver cette corps charnel, mais il était venu sauver la contenue. Tu as la contenue en toi. C'est pour cela que Dieu t'a amené ici. Cette contenue-là est précieuse. Cette contenue-là doit vivre les merveilles. Cette contenue-là, un temps,
la prospérité va passer. La richesse va passer. Des mariages vont passer. Des richesses vont passer. Des maisons vont être laissées. Des papiers vont être abandonnés. Mais il y a quelque chose qui ne sera pas abandonné. C'est la vie éternelle. C'est pour cela qu'il te parle. La contenu est plus précieux. Tu as besoin de la résurrection de ton corps spirituel. Si tu sens en toi que si je meurs, il y a moi qui va mourir, il y a le contenu qui va mourir, saisis cette opportunité pour que Dieu fasse de nouvelles choses dans ta vie. Alléluia. Nous allons clôturer dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2. Verset 24. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais Dieu a brisé les liens de la mort. Il l'a ressuscité parce qu'il n'était pas possible qu'elle la retienne. Alléluia. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. La Bible nous apprend que Dieu a brisé tous les liens qui pouvaient retenir la vie de Jésus-Christ, qui pouvaient retenir la mort, la domination de la mort. Parce que la mort ne pouvait pas lui retenir. Alléluia. Actes chapitre 2, verset 24. Dieu l'a ressuscité. Il a délivré la mort. Pour le corps, c'était la captivité. Résurrection des corps spirituels. Pour l'homme, Dieu déjà a déjà dit une parole, de la poussière à la poussière. Quand Dieu dit une parole, personne ne peut enlever la parole que Dieu a dit. Seul Dieu est capable d'enlever la parole qu'il a mise. Je vais parler simplement d'un royaume. Lorsque dans un royaume, on dit quelque chose que le roi a dit, dans les temps anciens, personne ne pouvait changer les déclarations du roi si ce n'est le roi lui-même. Lorsque le roi déclare la sentence de la mort, seul le roi était capable de changer cela. C'est pour cela que vous allez voir. Il y avait une femme qui était dans le palais royal. On a déclaré les sentences de la mort pour son peuple. Elle a compris que l'unique qui pouvait briser cette parole-là, c'était le roi. Ils pouvaient demander la prière. Ils ont jeûné et prié pour que la vie du roi change. Elle a accepté de prendre des risques, même à la mort, pour que cette sentence soit enlevée. La résurrection viendra que de Jésus lui-même. La mort était déjà une captivité pour l'homme. Tout corps qui vit doit mourir. Mais Jésus est venu nous délivrer de cette emprise, domination de la mort. Lorsque nous parlons de la résurrection des corps spirituels, ton corps n'a plus sous l'influence de la mort parce que tu as Jésus-Christ de Nazareth. L'église qui a Jésus, la mort n'est qu'un gain. La mort, c'est un passage qui l'amène vers son Créateur. La mort, c'est une porte d'adoration qui s'ouvre pour aller adorer son Dieu. Toi aussi, il y a une porte qui va s'ouvrir dans votre vie parce qu'il y a l'Esprit de Dieu qui a ressusciter une nouvelle vie dans votre vie. Que Dieu bénisse la parole de Dieu.